Allez, dernière demi-finale, si on fait ça comme ça, puisque c'est un classement en 5 manches pour cette catégorie des masters, avec Passé, Cross, Rémi, Cossi, Laval, Boyer et Montello présents. Il a déjà remporté les 3 premières manches. Ça se mettrait bien parti pour encore une fois une victoire pour le leader actuellement, ce serait Tony Guess. Le numéro 34, Tristan Pasquet, le continent. Mais attention, ça attaque fort à l'intérieur pour le numéro 15, qui est là, Jules Rémy, pilote de Frontignan également. Les deux amis du club de Frontignan pour les deux premières positions. Alors qu'à la troisième place, nous avons pour Vitrolles, Jérôme Cossu. Et un retour de la Côte d'Azur qui envoie le jump dans les derniers mètres pour le club de la garde avec Louis Montello. De Vitrolles pour l'instant qui a pris l'avantage avec Jérôme Cossu qui est sorti en tête du premier virage, alors que derrière, eh bien, on est occupé à relancer la mécanique. Il y a notamment dans le coup, eh bien, plusieurs pilotes du club de Frontignan. La deuxième position, elle est occupée actuellement par le pilote qui porte le numéro. J'ai pas vu, c'est le 01. Le 01, eh bien, je ne l'ai pas sur ma feuille, tout simplement. C'est Maxime Boyer, pardon, et Aline Caron sur ma feuille. Maxime Boyer, les peines de Rimbaud, va terminer, voilà, à la tête des opérations. Alors, on est revenu, peut-être pour Vitrolles, oh là là.